est là, ça se plaît. Donc c'est quand tu avais reproduit que les autres films de métallique sont rajoutés. J'ai coupé. Alors, j'ai rien de la chance là. Donc là, le ciseau à trois lames, lame du milieu représente les 2 mm que vous avez ici, donc rien découpé, c'est 2 mm. Ce qui fait je l'ai coupé au milieu de mon trait et du coup les gabarits seront tout de suite légèrement plus petits. Pour pouvoir insérer le plomb. D'accord. Donc après, il faut que je sois rigoureuse dans la découpe de mes bêtes. Donc à partir de mes gabarits, je vais imposer ma forme sur mon verre, et je vais en faire le tour avec cet outil. Je mets du pétrole pour que ça glisse mieux. Et donc je viens petit à petit faire le tour. On l'ajoute juste en longueur. Voilà. Ça me permet de mieux appuyer parce que le verre est un peu épais. C'est avec celui-là. Il y a un côté où il faut couper. Vous voyez, là je l'ai pris comme un stylo plutôt. Donc ça me permet de bien faire le tour de mes gabarits. Et comme c'est un papier un peu épais, ben, je peux m'aider pour la courbe. Puis c'est mon métier, donc je suis là pour faire des vitrails pour les Corbusier, pour l'extérieur et les particuliers. C'est juste pour faire goûter. D'accord. En général, en cuisine, il y a un peu de gelée de fruits rouges, d'accord, un peu de poudre de noisette, du sucre vanillé. Ah oui, d'accord. Et des œufs. Ouais, c'est super bon. Hein. Mais l'année dernière, notre vache vosgienne, qui avait 16 ans, n'a plus fait de veau. Alors 16 ans, faire des veaux, c'est de la science-fiction pour les éleveurs. L'éleveur qui nous fournit les vosgiennes s'attache aux caractéristiques rustiques de la race. Donc du coup, chez lui, il a des vaches qui veulent jusqu'à 19 ans. Ça paraît inconcevable. Dans les élevages actuels, c'est 4 ans maximum. Parce qu'au-delà de 4 ans, tu peux avoir des problèmes de vélage. Tu as une baisse de rendement au nier. Eh bien, c'était une vache allaitante. Ça veut dire qu'elle restait toute l'année avec son veau qui devenait téter à volonté dans les prairies d'altitude. Alors il a rentré un peu l'hiver, mais il passait quand même beaucoup de temps dehors. Et si vous voulez, quand elle est venue l'année dernière, bah, c'était un petit peu le choc international. Moi, vous, vous voyez, c'était terrible. Et surtout, elle n'avait jamais été traite ni à la machine ni à la main. C'était veau self-service, tu vois. Donc au début, je ne vous explique même pas la catastrophe internationale. Elle nous a pété le tabouret, elle a pété les seaux. Bah du coup, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation, quoi. Alors déjà là, elle est bien plus calme. Parce que vous allez voir, quand elle va prendre la tétée avec son mufle, il va donner des coups extrêmement violents. Là, c'est soft, hein, ce que je fais, j'ose pas, en fait. Tu vois qu'elle m'aime pas trop. Hein. Et donc, mais du coup, lorsque je vais nettoyer le pis, j'y vais quand même y aller un peu mollo. Enfin, pas mollo, justement, je vais y aller franco, histoire de dire eh oh. En fait, en faisant ce geste, le veau déclenche. J'ai vu ça. Pas comme il est joli. Ah, voilà. Ah, oui, je vais découvrir ma mère, effectivement. Il n'y a plus rien, mais... Lui, non plus, il arrive à tirer de l'autre côté. Bah, faut qu'elle descende, hein, il faut quelques secondes, quand même. Force de...
À force de tricher, elle a mis ses belles. Pour l'instant, ça marche. Ah, on donne des bons coups, hein, j'ai faim. Et voyez, là, elle bouge pas. Hein. Ouais. Attention aux coutures. Il faut prendre une dans la tête. C'est dur, ça fait mal. Hein. Que. Non, tu laisses ça. Qui sont organisés dans une vingtaine de corporations. Les apiculteurs, les arboriculteurs. Ça donne combien de tirants d'eau, une barque à 50? Comment? Ça donne combien de tirants d'eau, pas beaucoup, mais un minimum quand même, hein. On va peut-être l'expérimenter. Ça fait partie de la formation. Voilà. En fait, le chenal, c'est la partie la plus profonde d'un cours d'eau, mais pas systématiquement au milieu. Dans toute rivière, fût-elle artificielle, il y a une berge abrupte et une berge en pente douce en fonction des tournants. Hein. Et les berges. Okay. Un peu fatigué, non? La moteur est dure en ce moment, oui, avec cette chaleur. Ouais. Pour dire attention au fer. Vous ramène pas un peu de monde aussi? Non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment la c'est même. C'est plutôt pour les enfants, c'est un parc d'attractions. Alors, c'est sympathique. Bah nous, c'est pareil en fait. Oh non. Il est royal celui-là, il est impeccable et tout. Je ne le prête pas. Donc, je me souviens.